les CP. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, donc nous allons faire lecture rapide du son M et du son E. Comme on a vu, ces deux sons cette semaine. Donc, vous allez vous entraîner à lire les syllabes et les mots plusieurs fois. Et quand vous êtes prêt, vous demandez à papa et à maman de vous prendre le temps. D'accord ? Et vous allez le faire trois fois. Donc, vous pouvez aussi étaler les lectures aujourd'hui, samedi et dimanche. Donc, c'est parti. Né, nu, né, no, nu, ne, na, no, ni, na, ni, na, lo, ré, chu, nu, ni, fa, mi, ne, sa, no. Donc ensuite, quand vous avez bien lu plusieurs fois ces deux lignes, vous pouvez essayer d'aller plus vite. Né, nu, né, no, nu, ne, na, no, ni, na, ni, na, lo, ré, chu, nu, ni, fa, mi, ne, sa, no. Alors, ensuite, on va lire les mots. La farine, la farine. Le menu, le menu. La sonnerie, la sonnerie. La machine, la machine. L'année. Le renard. Le nord. Naïf. Animé. Animé. Donc, une fois que vous êtes bien entraîné à lire tout ça, bah vous enchaînez syllabes et mots et vous vous chronométrez. Alors, maintenant, on va faire le son E. Alors, on y va. Né, lé, mé, fé, ré, mé, lé, ré, ché, sé, né. On continue. Mé, fa, chi, ré, so, mu, lé. Et attention, là, c'est un accent aigu. Ré, sé, le, ché. Donc, je rappelle que l'accent grave, l'accent qui descend et l'accent circonflexe qui ressemble à un petit chapeau chinois, ça fait le son E, contrairement à l'accent aigu qui monte et qui fait E. Donc on y va. Le chêne. Le chêne, c'est un arbre. Une sirène. Une sirène. Donc c'est une femme avec une queue de poisson. Un arrêt. Un arrêt. Quand on s'arrête, on fait un arrêt. Fière. Fière. Donc, je suis fière de mes enfants. Je suis fière de mes élèves de CP qui lisent bien. Chère. Alors, chère avec un E, c'est féminin. Donc, on va dire, par exemple, quand on écrit chère maman. Voilà. Donc, vous vous entraînez bien à lire les syllabes et ensuite les mots. Et quand vous êtes prêt, bah vous demandez à être chronométré. Vous pouvez étaler les lectures sur le week-end. Bon courage !